Salut à toutes et à tous, ici Cadillon et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Aujourd'hui nous allons faire la route vers l'Isengard aux côtés de Gandalf. Et donc on va pouvoir jouer Gandalf pour la seconde fois, voilà, donc niveau 2. Donc ouais, c'est vraiment génial de pouvoir jouer autant de personnages parce que dans le 2 on pouvait en jouer que 3 et franchement la différence se fait ressentir et c'est vraiment agréable à jouer. Ce n'est pas le hasard qui mènera Merry et Pipin dans la forêt de Fangorn. Cours, Merry! Il parle, Merry! L'arbre parle! Un arbre? Je ne suis pas un arbre. Je suis un Ent. Nous, les Ents, nous ne nous sommes pas souciés des guerres des hommes et des magiciens depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, il va se passer des choses qui n'ont pas eu lieu depuis un âge. Les Ents vont entrer en guerre. Venez, mes petits amis. Oui, la dernière marche des Ents. À présent, les événements déclenchés au gouffre de Helm vont trouver leur conclusion. L'Isengard doit être purifié. Et dans l'ombre des arbres de Fangorn, les Uruk-hai de Saruman ne trouveront aucun refuge. Donc voilà, la mission commence là. Et Gandalf et les Ents poursuivent les Uruk-hai dans la forêt de Fangorn. Alors qu'ils essaient de se replier à l'Isengard. Donc voilà, nous avons aussi le combo disponible sur Gandalf. Il est vraiment stylé. Et là, on commence à avoir un petit peu des compétences qui nous permettent de défoncer tout le monde. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc là, vous pouvez voir les Ents. Hein. Ils sont pas moches. Hein. Franchement, ils sont bien réussis pour l'époque. Donc là, ah, je croyais qu'il allait venir vers moi, qu'il allait m'attaquer. Ah bah voilà, bonjour. Donc là, petit tip, s'il y a un Uruk-hai au-dessus, en fait, qui essaie de nous tuer. Donc je vais attendre qu'il balance sa flèche pour tuer l'autre, là. Hop. Donc toi. C'est tellement stylé, tiens, je viens de faire péter des barils. Mais c'est vraiment stylé, hein. Le pouvoir à distance de Gandalf est... Hop là. Est vraiment, vraiment, vraiment classe. Merde. Hop. Et là, ça prouve vraiment que c'est un magicien, en fait. Voilà. C'est la classe absolue. Donc, on parcourt un petit peu la forêt de Fangorn. Alors, on avait eu un aperçu de la forêt de Fangorn dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours. En jeu, je veux dire. On affrontait des trolls, d'ailleurs, dedans. Pour ceux qui ont joué. Je sais pas si un jour je le ferai les deux tours parce qu'il est vraiment différent du 3 en fait. Enfin je veux dire au niveau du jeu. Il est sympa mais ça fait vraiment bizarre de rejouer. Enfin je pense que ça me ferait vraiment bizarre et que ça me déstabiliserait presque de rejouer au 2 après le 3. Non franchement. Hein. Bon par contre il y a vraiment de beaux affrontements. Par exemple dans le 2 on affronte le fameux Lutz. Enfin Litz. Non c'est Lutz ou Litz. Non c'est Lutz. Enfin le fameux chef des Uruk-hai. À Amon Inn, là où Boromir malheureusement se fait tuer par justement Lutz. Mais il y a un très bel affrontement, enfin il y a des affrontements super sympas aussi dans les deux tours au niveau du jeu. Donc là on va arriver dans une zone où il va falloir tuer un nombre précis d'Uruk-hai. Mais attention, dans cette zone les Ents marchent et on peut se faire bousculer ou écraser. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut essayer de se mettre dans un coin et attendre que les orques arrivent. Enfin, du moins, c'est ce que j'avais fait. Ou alors les tuer à distance, ça marche aussi. Tel un gros FDP. Mais les Ents, ils tuent aussi les ennemis. Donc au final, ça augmente peut-être le truc. Ouais. Ça augmente le nombre de Uruk-hai tués en fait. Donc c'est sympa. Toi t'es pas mort. Ah si il est mort, ok d'accord. Donc il faut en tuer 75 et comme vous le voyez les Ents participent à la chasse.
Ah, faut que je monte la riposte. Attendez, viens là toi. Oh, vas-y, je te laisse passer. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, ils m'ont bloqué les salauds. N'a pas un qui veut me taper là? Ah, toi, non, tu veux pas? Bon, le meilleur moyen c'est quand même laisser les Zen faire, hein, parce que vous prenez le risque de vous faire écraser. Genre midlife, merci quoi. Eh bien, voilà, regardez, hop! Hop là! Et voilà, je l'ai tué. Je vais essayer de vous le refaire. Ah merde, il s'est fait écraser. Donc vous avez vu là, c'était la riposte que j'ai réussi à débloquer. Et c'est vraiment stylé. On a presque fini cette zone. Hein. Je vais les finir. Hop, hop. Putain, il bouge trop l'autre. Ah! Ou putain, je vais me faire écraser. Oh, il y a des flèches là-bas. Et voilà. Vu qu'on a réussi à faire cette partie de mission. Ah, ça nous met directement là. Bon, bah, les Zen te détruisent justement un passage. Et ça nous ouvre une route vers Lysengar. Bon, par contre, j'ai pas réussi à choper les flèches. Parce que ça m'a mis là directement. C'est dommage. Alors, il y a deux archers, je crois. Bon, vos gueules. Oh. Ah non, il y en a trois. Tant pour moi. Non, il y en a plus encore. Voilà, ça les one shot en plus, ça c'est stylé. Donc là il va y en avoir sur ma gauche qui vont arriver normalement. Pas ici mais après. Ah non, c'était à droite. Je croyais que le chemin il partait à gauche en fait. Non, il part à droite. Allez! Là je les ai tous tués. Ah non merde, il me manque un. Est-ce que j'ai déverrouillé le... Non, merde, j'ai pas déverrouillé. Ah, je suis déçu. Je suis vraiment très déçu. Donc comme vous pouvez le constater, si je rate la riposte, bah vu que j'appuie sur croix sur carré et R2, je vous rappelle qui est le finish en fait pour les ennemis, et bien du coup je me mets à chever dans le vide et je me fais taper librement. C'est une très mauvaise idée de rater ça. Par contre ça devient dur. Enfin, le timing de parer et d'attaquer en même temps, c'est pas simple hein, contre ce genre d'ennemi. Merde, on va essayer de le refaire. Vas-y. Ah merde, ça marche pas. Ah bon, c'est pas grave. Au moins vous aurez vu la riposte une fois. Mais c'est vrai qu'elle est pas simple à réaliser. Comme je vous ai dit, c'est un timing parfait et c'est pas toujours évident. Donc là vous avez une magnifique vue sur les hangars, enfin sur la tour d'Ortang, je crois qu'elle s'appelle. Donc là on va devoir détruire tout ça, voilà. Et là vous allez voir, vous allez tout simplement... J'ai pitié de toi ta gueule. Vous allez jizz dans votre pantalon. Regardez, en fait faut détruire les barils là-bas. Pouf. Je crois qu'il y a 4 tours à faire avec lesquels faire ça. Parce que sinon vous allez vous faire attaquer par les archers en fait. Donc c'est un peu chiant. Oh, il m'a pas laissé l'achever. Oh, tu vas périr de ma main. Eh viens toi. Hop, tranchard, qu'est-ce que tu vas faire? Pouf. Les explosions sont jolies aussi. Boum. Tiens. Merde. C'est un peu la galère. Hop. Parce que je le vaux bien. Hop, parce que je le vaux bien. Oh, qui c'est qui m'a tiré dessus? Ah, il y a encore une tour. Ok. Hop. Allez, venez, je suis votre homme. Je sais pas d'ailleurs si mon bâton chargé à fond peut détruire les boucliers. Attendez. Faudrait que je vise. Ouais. Oh. Hop. Voilà. Normalement, il y a un petit bonus là-bas. Alors, ce que vous voyez là-bas, là... Attendez. Ah, il est mort, ok. Donc ça, c'est un bonus d'XP. Regardez. Hop. J'ai récupéré un petit peu d'XP. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est déjà ça, franchement. C'est pas négligé. Oh, toi, je t'avais pas vu, toi. Oh, genre, je l'ai mis à côté. Mince. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai un mauvais timing, du coup, j'ai fait ça. Et quand vous êtes entouré de beaucoup d'orques, c'est
C'est pas simple de ne pas se faire toucher en fait. Vous vous faites souvent toucher, voire martyriser la seconde d'après. Oh, genre je l'ai touché. Et on saute en arrière. Hop. Au revoir. Bon, ils sont super fragiles, hein, les orques. Hein. Les orques archers sont vraiment très fragiles. Normalement, on va affronter notre premier berserker aussi du jeu. On en a affronté beaucoup dans le 2. Et dans le 3, ça va venir petit à petit. Mais... oh, tiens, t'es pas mort, toi. Aïe! Et on va en affronter un ou deux, je crois. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Donc là, Lent va essayer de détruire le barrage pour libérer les autres. Mais il se fait attaquer par les archers, qui ont des flèches enflammées d'ailleurs. Ah voilà, notre premier berserk. Enfin, c'est un peu le même principe que les morts avec leur vie. C'est juste qu'eux, ils ont plus de vie en fait. Donc, merde. Donc le but en fait pour que Lent détruise le barrage, c'est de tuer les orques archers. Comme ça, il arrête de prendre feu au bout d'un moment et il va pouvoir détruire le barrage qui a une barre de vie. Donc faut juste tampon en fait. Et ne pas laisser les orques le toucher. Comme là, j'ai fait. Mais bon, heureusement, Lent a une vie illimitée parce que je pense que s'il avait de la vie limitée. Oh, j'ai eu le temps ça. Ah merde! Putain, j'avais pas vu que c'était un. J'avais pas vu que c'était un archer là-bas. C'est ma faute! Hop. Oh, il y en a beaucoup là-bas. Ah, il n'y en a qu'un. Alors, je sais plus si ça aide ça. Parce que je sais que tu peux attaquer en fait le barrage avec ton pouvoir, mais je crois que ça fait pas de dégâts. Oh putain, mais. On les voit pas arriver, c'est relou. Attendez, on va essayer, on va charger à fond. Ah si, ça enlève de la vie quand même. Hop, hop, hop. Ah, trop tôt. Mince, je l'ai vu trop tard. Il y en a encore un autre qui arrive. Ouais, faut vraiment que j'arrête d'essayer de tenter la riposte parce que c'est vraiment pas simple. Hop, je l'ai eu avant que la flèche parte, c'est déjà cool. Oh là, j'aurais aucun doute en fait. Ouais. C'était un bon enchaînement, ça partait d'un bon sentiment, mais ça a pas abouti, malheureusement. Ah, oh, non, j'arrête vraiment parce que c'est n'importe quoi. Normalement, si je peux même le finir moi-même en fait, le barrage. Genre comme ça. Oups. Ouais, faut que je fasse gaffe quand même. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours d'ailleurs, vous livrez des excellentes batailles aussi à Edoras. Et franchement, vous défendez le gouffre de Helm aussi. C'est quelque chose d'épique et c'est les trois plus dures missions du jeu d'ailleurs. C'est infâme, c'est vraiment super difficile. Surtout la dernière, ça rend fou en fait. Et ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais en tout cas, nous avons terminé la mission de l'Isengard et nous sommes niveau 4 avec Gandalf.
désormais. On a 23 000 points de compétences. Ah bah oui, je l'avais pas acheté. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pas eu. Quoi. Donc on va augmenter la... Ah, je sais pas si on augmente la santé de manière permanente pour tout le monde. Parce que 15 000 points quand même, ça revient cher. Surtout que je voudrais améliorer un petit peu Gandalf parce qu'il est level 4. Ça veut dire qu'il aura du retard sur ses compétences après. Ouais, enfin, la riposte, c'est vrai qu'elle coûte déjà vachement cher. Donc là, vous avez une lumière différente qui fait que vous affligez plus de dégâts. Voilà. Donc ça marche un petit peu comme les flèches avec Aragorn, Legolas, plus tard Faramir, oui. Et tout ce genre de personnages. Et aussi Gimli, sauf que ce sera avec ses hachettes. Donc ça, bah, toujours un cri de ralliement. Enfin, non, c'est pas vraiment un cri... Enfin, si, c'est un cri de ralliement et il aura un bouclier autour de lui. Alors que, souvenez-vous, le reste des personnages, c'est un truc qui augmente votre mode parfait. Votre chance d'obtenir un mode parfait et de faire plus de dégâts. Sauf que Gandalf, vu que c'est un magicien, il invoque un bouclier avec ce pouvoir qui le rend invulnérable pendant quelques secondes. Et en plus, quand vous approchez des ennemis, ça blesse ses ennemis avec le bouclier. Vous pouvez attaquer en même temps. Donc c'est un truc assez cheaté. Mais il faut pas rater, comme j'ai dit, son combo. Parce que sinon, vous faites plein de trucs en même temps et vous faites défoncer la seconde qui suit en fait. Donc à vos risques et périls. Voilà. Donc, on peut rien acheter d'autre. Donc ça, ce sera une amélioration de la colère d'Anor, qui est, je vous rappelle, pour l'instant, le brouillard de guerre. Donc là, on a celui-là. Et l'autre, niveau 4, affligera plus de dégâts. Voilà. Et les effets, en fait, sont toujours différents et c'est vachement stylé. Donc, bah, on a fini pour les compétences. Écoutez... Hop, ouais, on est déjà à 20%. C'est le genre de jeu, en fait, il se rush quand t'es à fond dedans. C'est un truc de malade. En une après-midi, tu peux le finir, limite. Donc, par conséquent, nous avons accès à un nouveau... comment dire, à un nouveau bonus, qui est l'interview de Christopher Lee. Et nous avons accès à une nouvelle mission, donc la défense de Minas Tirith. Donc, je vais pas la faire maintenant. Dans le prochain épisode, nous ferons... la fuite d'Osgiliath aux côtés de Sam et Frodon, souvenez-vous, que Faramir a laissé partir en sachant que Frodon avait l'anneau de pouvoir et qu'il fallait le détruire et qu'il ne fallait pas qu'il fasse la même erreur que son frère Boromir, c'est-à-dire qu'il soit avide de pouvoir et qu'il veuille le garder pour lui tout seul. Et ouais. Mais bon, Boromir est quand même mort en héros, hein, même si il a essayé de prendre l'anneau à Frodon, il a quand même voulu le protéger à la fin. Enfin, il a protégé Pipin et Merry, excusez-moi. Et Frodon et Sam, d'ailleurs, aussi. Mais il est mort devant Pipin et Merry, il me semble. Je ne sais plus. Ouais, je crois que... Non, je sais plus s'il est mort devant les 4 ou seulement 2. Je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, voilà. Et du coup, dans le prochain épisode, nous ferons la fuite d'Osgiliath avec Sam et Frodon. D'ailleurs, cette mission est vraiment sympa. Vous allez voir Osgiliath de fond en comble. Et ça a beau être en ruine, ça reste quand même une très jolie cité, en ruine, malheureusement. Mais ça reste quand même joli à voir, surtout dans le jeu en fait, c'est super sympa. Mais en tout cas, ce sera tout pour cet épisode numéro 4 de notre aventure sur Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, salut !